Ici India Lafont de Montréal.tv. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de me retrouver au Festival international Film Black Montréal au Cinéma Impérial. Pour cette 15e édition, on s'attend à rien de moins qu'un festival audacieux et rafraîchissant. Ce soir, on commence ça vraiment en force puisqu'on rend hommage à deux grands réalisateurs, soit Jean-Claude Laure et Eusanne Palsy. Je me trouve présentement avec une grande réalisatrice franco-caribéenne, une dame qui a remporté plusieurs prix prestigieux dans sa carrière et la première réalisatrice noire à avoir été produite par un studio hollywoodien. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous procure ici ce soir en ce moment de remporter ce grand prix précurseur en 2019? Ben, ce prix précurseur fait partie de ces prix qui sont, que je considère comme les plus chers. De par ce qu'il représente, celui-là donné ce soir ici à Montréal a un sens très particulier parce que j'aime beaucoup Montréal. J'ai tourné à Montréal, j'aime beaucoup les Canadiens et je me suis toujours sentie comme chez moi ici. Vous avez une très grande carrière, vous avez fait plusieurs projets de films. Quel est le projet qui vous rend vraiment le plus fière? Oh là là, c'est comme si vous demandiez à une mère qui a, je sais pas, qui a 6 enfants ou même 3, quel est celui que vous aimez le plus? Vous savez que chaque film, pour moi, c'est comme un accouchement extrêmement douloureux. C'est vraiment le parcours du combattant et je suis fière de chacun de ces films parce que chacun de ces films a une histoire dans mon combat pour qu'il existe, pour le mettre au monde. Donc, je dirais que, bon, pour essayer de répondre, Lucas Next a été mon premier bébé, donc c'est vrai que c'est le film culte à travers le monde. Et c'est, voilà, je ne pensais pas que ça arriverait. Et puis, c'est trouvé que, voilà, tous les combats, toutes ces années de galère, ça a porté ses fruits quand même, parce que le film est un film culte internationalement jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, vous êtes le premier réalisateur québécois à avoir attribué un premier rôle à une actrice noire dans votre série Jasmine en 1996. Et ça, est-ce que vous croyez que ça a eu un impact aujourd'hui sur le cinéma ici en 2019 au Québec? Je crois que ça a eu un impact sur la société québécoise qui ont regardé cette série-là avec non seulement une héroïne noire policière, mais aussi avec d'autres personnages des communautés culturelles. Et c'est probablement cette série-là, Jasmine en 96, qui est un des projets les plus chers à mon cœur parce qu'on a mis beaucoup de temps et d'énergie pour le faire et on est content de voir que malgré tout ce qu'on nous disait, ça a été un succès populaire en même temps. Donc, les messages que l'on passait à l'intérieur de cette série-là passaient chez le public. Et à un moment donné, une fois la diffusion terminée, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit, écoutez, il y a une famille arabe là, qui vient s'installer à côté de chez nous. On ne comprend pas, on ne sait pas. Mais on a regardé votre série, puis on est allé les voir, puis on leur a dit, on est là si vous avez besoin de moi. Et ça ne s'achète pas.